Et dans le paysage cinématographique français, le Festival du Moyen-Métrage de Brive-Ville se déroulera du 3 au 8 avril pour sa 20e édition. Julie Radenac, bonjour. On vous retrouve en direct du cinéma Le Rex où la programmation a été dévoilée il y a quelques minutes. Oui Jérôme, cette présentation vient tout juste de s'achever en présence de nombreux partenaires. Vous les apercevez encore derrière moi, la Société des réalisateurs de films, la mairie de Brive, France 3 et donc 20 ans cette année pour ce festival et 20 films sélectionnés. Avec moi pour en parler, la secrétaire générale du festival, Maggie Cisterne. Bonjour, c'est une sélection de plus en plus ardue chaque année. Tout à fait, on reçoit beaucoup de films. Aujourd'hui, nous sommes depuis quelques années internationaux, donc on reçoit de plus en plus de films aussi internationaux, 650 cette année. Et donc la sélection de 20 films, vous imaginez, sur 650, c'est un énorme travail pour le comité de sélection qui est dirigé par Julio Casadei. Alors vous l'avez dit, festival international, 20 films en compétition et 8 qui viennent de réalisateurs étrangers. Pourquoi ? Pourquoi c'est important pour vous d'accueillir cette sélection ? Alors c'est très important parce que c'est une ouverture sur le monde que nous voulions avoir à Brive, qu'il n'y a pas de média plus intéressant pour découvrir le monde que le cinéma, puisque chaque auteur va parler profondément finalement de sa culture, même si ce n'est pas le sujet du film, mais on va comprendre à travers ces films la culture, les différences, les ressemblances. En fait, on va se rendre compte parfois qu'on est tous sur la même longueur d'onde ou pas, que chaque pays a de ses spécificités. Donc je pense que ça fait partie de l'ADN du cinéma que d'ouvrir au monde. Et donc nous voulons le faire. Le moyen métrage, c'est un format, on le rappelle, de 30 à 60 minutes. C'est un format encore invisibilisé aujourd'hui et pourtant ici, depuis 20 ans, Maggie, vous avez réussi à fidéliser un public autour de ce format. Tout à fait. Progressivement, on a réussi à ce que les brivistes, les corréziens et les régionaux ne viennent plus voir des moyens métrages, mais viennent voir des films. En fait, la notion de format n'a plus d'importance pour eux. Et ça, notre objectif, c'est que ça devienne une réalité nationale, voire internationale. En fait, un film, qu'il fasse 30 minutes, 1h30, 3h, il a une durée nécessaire à la narration. Et chaque film a son intérêt, quelle que soit sa durée. Voilà, le Festival du Moyen-Métrage, c'est du 3 au 8 avril. Et je vous invite vraiment à venir découvrir ce format qui mérite d'être vu. Merci Julie, merci à Eléa Timène pour les images. Bien sûr, nous suivrons sur France 3 ce festival du cinéma de Brive. Enfin, de la musique pour terminer, l'opéra Faust.